Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne a été exclu du groupe Identité et Démocratie du Parlement européen. L'AfD a déclaré dans un communiqué qu'elle prenait note de cette décision et qu'elle restait optimiste quant aux élections européennes du mois de juin. Les 9 membres de l'AfD ont été écartés car Identité et Démocratie affirment ne pas vouloir être associés aux déclarations de Maximilian Kra. Âgé de 47 ans, Maximilian Kra était le premier choix de l'AfD pour le Parlement européen, avant de faire des commentaires controversés sur les soldats nazis dans un journal italien. Il a déclaré que les membres de l'unité d'élite SS des nazis, qui a été impliqué dans des crimes de guerre majeurs pendant la Seconde Guerre mondiale, n'étaient pas tous des criminels de guerre. L'AfD a démis M. Kra de ses fonctions de dirigeant à la suite de ses commentaires. Maximilian Kra a réagi en écrivant sur X que ses déclarations factuelles et nuancées avaient été utilisées à mauvais escient pour nuire à son parti. Cette décision intervient un mois après l'arrestation d'un des assistants de Maximilian Kra pour une accusation d'espionnage.